ça c'est esquivé. Excellent. Oh non, parce que quand elle se transforme, elle, avec la queue coupée, elle fait les pires attaques du monde. Faut y faire particulièrement attention. Ok. Je sais pas si on arrivera à finir la phase 3 ce soir. Mais peut-être. Peut-être. Si on a une bonne moyenne en termes de vitesse, ça peut le faire. Mine de rien, il ne reste que 3 missions, donc ça peut être faisable. Giant Boulder, on est contre un Petros. On nous dit, un Petros a été vu en train de rouler à travers le grand tunnel. C'est un Oni fort et résistant. Un simple de ses coups est capable de détruire vos os. Soyez particulièrement sur le qui-vive lorsque vous le combattez. Pas de soucis, on sera avec Toya, Benizuki et Tokitubu. Alors, l'encyclopédie nous dit. Petros. Il est fort contre tous les attributs. Ah. D'accord. Pas de soucis. Je le vis bien. Ah, j'ai quoi en rang 2? Je peux peut-être tenter de l'empoisonner, non? Hein, je peux mettre mon autre cuillère. Ma cuillère de poison. On peut le faire. Il est fort contre tous les attributs. Je sais pas si on parle que des attributs élémentaires ou du poison aussi. J'ai envie d'y croire. J'ai un pur style avec cette cuillère. Cuillère en rouge. Même pas en violette. Rouge pourpre. Ah, c'est la cuisine, elle était trop chaude, trop piquante. Normal si tout le monde finit aux toilettes après avoir mangé le ragoût. Poison fait effet. Ok, excellent. Cool.
suis de l'autre côté. Toujours le même coup qui arrive à m'avoir. Je n'apprends rien. Ça va. Vache. Ah, mon armure est brisée. Très content. Le coup. Okay, nice. Oupla. Toujours empoisonné, excellent. Nice. Ça a été. Ça a été pour un Petro, ça s'est très très bien passé. On peut dire que je suis content. C'est peut-être pour ça que j'ai des petites zones parfois qui sont en dehors du Fog of War. En dehors du brouillard de guerre sur ma carte. Parce que j'ai fait genre une mission là-bas. Tous les coups ça doit être ça. J'ai à y penser. Je me dis mais c'est vrai, mais ça doit être un lieu ça, visiter dans le monde. J'ai jamais été dedans. Ah ouais. En effet. Bien. Ensuite. Runes Survey War. Oula, double monstre. Bon, à mon avis, on n'arrivera pas à finir cette phase-là ce soir, alors. Double monstre, ça prend toujours un temps fou. Des ruines ont été trouvées dans l'Age of War. Allez donc faire une patrouille à l'intérieur. Vous pouvez vous attendre à des Oni à l'intérieur. Préparez-vous bien avant d'y aller. Ça sent le... Sky Shredder. Regardez le truc de poison. Je sais pas vraiment l'effet qu'a le poison sur les Oni. J'imagine que ça fait soit perdre de la vie, soit perdre du bouclier. Un truc du genre en tout cas. Ah, petit bâtard. ありがたいことだ Voilà, mais en plus faut tirer avec des petits trucs, c'est vrai. Que pour être ravissant. Bon.
vraiment j'ai de la moule hein. J'ai vraiment eu de la réussite là-dessus aussi. Ah, il est empoisonné à nouveau. Ah oui. Ok. Les chauves-souris me touchent plus souvent que le boss. C'est excellent. Oh là là, oh, je me fais jongler là. C'était un manque de respect total. On a Tsubaki avec nous, hein, super. Ici, mon sang. De mon poison. Qui veut de mon poison? Il est frais, mon poison. Ah non, on mourra. Pas toi, pas comme ça. Reviens ici pour ça. Insupportable. Plusieurs zones dans le rouge maintenant. Aïgal. Ah, Aïgal. Et... Ah,
dommage, j'allais faire le dernier coup de la combo. Le meilleur. Celui qui a un double coup intégré. Oulala, oulala. Ils ont presque réussi à avoir celui-là, là. Oh, petit bâtard. Lui, là. Bon sang de bois. Et d'où Jésus? J'ai toujours pas fini. Putain. Il est empoisonné, hein, pourtant. Non, non, pas le dingo, pas le dingo. Ok, c'est bon. Ok, lui c'est fait. Oh la vache. Ça sera plus simple maintenant. On va se concentrer sur lui. Excellent. Ça enchaîne. Ils l'ont chopé en l'air. La torpille. La torpille prise dans son envol. Excellent. Alors en effet, on n'aura pas le temps de faire la dernière mission de la phase 3. Mais on a quand même fait toutes les expéditions de l'Age of War. Alors l'infini, on l'a pas fait à l'infini en effet, parce que faire l'infini c'est assez compliqué, mais on a fait tout ce qu'on voulait faire. L'expédition de Edge of War, on a fait quelques missions de la phase 3, dont celle qui a l'air la plus tordue, hein, avec deux monstres en même temps. Alors certes, la dernière de la phase 3, c'est un boss que je déteste, en effet. Mais, il est tout seul. Ça c'est beau. Donc là, le boss large plus le Oni moyen, c'est un petit peu plus tordu, ça prend un petit peu plus de temps. Oh, excellent. On va pouvoir revérifier les Mitama, je sais pas s'ils sont cool ou pas, au niveau compétences. Mais ils étaient pas trop loin. Ah, presque, presque. Hein. Ah, lui, oui. On est sur le dernier sprint, là. Dernier sprint, parce que lui, convergence, reste quasiment plus rien. Et elle, c'est quoi? C'est l'heure. Reste un petit peu plus. Mais ça va. Le gros du chemin est fait. Très bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'on peut faire? Faire le Petrus Shield. Mais témoin. Ok, tout ça, Osef. Echo Slasher, je l'ai déjà. Hein. Oui. Ça, on connaît déjà. C'est merveilleux. Demon Lord Guardian. Ah oui, il faut des Stone Shell. Tout ça pour des Stone Shell, quoi. Terrible. Bon. Il a loupé, lui. C'est sûr qu'il a loupé. La base.
Les prières, tout ça, c'est encore actif. C'est merveilleux. On peut pas aller se baigner. J'ai une grosse cuillère dans le dos. Que demander de plus? Bon, et bien, une fois, j'espère que cette session de Tukiden 2 vous a plu. On se retrouve dès que possible pour la suite. Et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.